dernière augmentation qu'il y a dans cette PJO-là, nous ne pouvons pas considérer ça comme un coup de massue vraiment pour les consommateurs à Maurice, parce que nous trouvons une augmentation de deux produits qui vraiment, quand dans le panier de la ménagère de chaque mois, c'est au chaque semaine même, nous ne pouvons pas dire, c'est un produit qui vraiment consommé, parce que le gaz ménager nous servit pour différentes activités, nous servit beaucoup nous manger, et il y a des gens qui ont chauffé à gaz pour chauffer l'eau, tout ça. Et 60 roupies, augmentation, le N-Bobon, il est extrêmement beaucoup, parce que du désa dans l'essence, un prix de l'essence qui nous est là, nous désa payer un subside, nous désa dans le consommateur peut contribuer un subside d'à peu près 4 roupies 20, qui est là dans la structure des prix, l'eau pour gaz, pour la farine, mais quand nous trouvons une augmentation de 60 roupies, il est extrêmement beaucoup. Maintenant, nous venons au deuxième produit qui nous augmentait hier. Voilà, c'est prix de l'essence. Ça, c'était une augmentation, vous pensez, qui beaucoup observateur et moi-même. On a plusieurs, on a une émission qui m'ont fait, là, il y a une news récemment. Ils m'ont dit, si n'a rien pas changé, si les structures des prix pas changé, c'est comment le gouvernement partir, ben, une contribution qui n'y en a, une contribution inutile, comme on m'appelle, les qui n'y en a, dans les structures des prix, ou soit, s'il est capable, baisser ben taxe actuellement qui est là, sur le prix, de l'essence, nous pourrions trouver avec un 10% augmentation, parce que, dernière fois, quand tu as acheté, des cargaisons de l'essence, quand tu rentres, tu rentres à un prix de 92 à 90, de l'or le baril, et là actuellement le prix la hausse 100 de l'or le baril, alors automatiquement nous tu peux attendre que quand prochain cargaison vini, quand le PPM rejoigne, il peut mettre sa majoration de 10% d'après la loi qu'il est capable de mettre là, et au lieu le prix augmente à 67,40. Ça aussi il y a un coup de marché, parce que c'est un produit qui consomme presque toute famille, je vous dis, parce que presque toute famille dans Maurice, je vous dis, soit le 2, soit une motocyclette, d'accord. Ou soit, il prend un taxi, et là, il y a une forte probabilité qu'avec sa augmentation, des gros augmentations de presque 12 roupies qui est arrivée de presque un mois, que les prix de transport, de l'école, taxi, et même transport public du service qui nous prend augmenter. Et voilà, l'impact est pour là. Ça veut dire, là, le consommateur, pour cousin, actuellement, retire plus beaucoup d'argent pour les voyager, pour les acheter sur l'essence et pour acheter sur gaz. Et dans une période difficile comme on nous était là, mais c'est bien dur, hein, c'est bien dur pour les personnes au bas de l'échelle, car oui, ils vont souffrir, mais il ne fallait pas nous oublier, parce qu'il a tout récemment, une augmentation là, mais c'est le middle class, c'est ça qu'ils appellent middle class aussi, peut affecter par ça. Il y a un système de support pour venir en place, même espérer. Ça suppose là vient bien vite, parce que les prix c'est aujourd'hui qui augmentent, nous pas qu'à tenir un mois et demi comme budget là, nous vous tendez qui est une avance support en termes de avance support pour vendre le bas de l'échelle, mais ça qui m'embête, nous ne fallait pas oublier une mise de classe, parce que avec une structure en place, par exemple negative income, c'est une personne au bas de l'échelle qui gagne un support, mais le middle class, là qui peut arriver, nous peut respecter même. Le middle class peut respecter même. Augmentation des prix de l'essence, augmentation de gaz, augmentation de subsides, c'est le middle class qui paye. Bien, dernière année, nous espérons, nous ne trouvons pas dans une situation que nous peut arriver une povertisation de la middle class, parce que c'est... nous visons le middle class comme chômeuse pour capable de relancer l'économie, mais si nous faisons autre payer même, que je trouve autre à bout de ressources, mais nous pas pour retrouver cette dynamique d'économie qui nous permet pour relancer l'économie de Maurice.